Salut à toi qui regarde cette vidéo. Le petit coin, regarde ce paradis. Aujourd'hui, je te fais une capsule complètement exclusive. Tu vas avoir différentes personnes qui vont s'exprimer sur qu'est-ce que le bonheur pour eux. Et ils vont te le faire vivre, ils vont s'exprimer. Alors aujourd'hui, je vais te laisser voyager. Je vais te laisser t'imprégner de toutes ces personnes qui vont te dire comment ils vivent et comment ils ressentent le bonheur intérieurement, physiquement, émotionnellement, mentalement. Alors bon voyage à toi. Qu'est-ce que le bonheur? Eh bien pour moi, le bonheur, c'est ça. Ma voile, mes skis, la nature, personne autour, et c'est parti pour aller voler. Pour moi, le bonheur, c'est vivre chaque moment présent comme unique. C'est être en symbiose et en harmonie avec la nature et mon environnement. C'est être avec mes proches et voir le bonheur dans leur regard, la joie de vivre au quotidien. Et quand tout est réuni, c'est le paradis. Et pour toi, Gabi? Pour moi, le bonheur, c'est quand tout va bien. C'est bien, mon Gabi. Le bonheur pour moi, c'est un moment de partage avec la nature, cette union avec la nature, les amis. Regardez un petit peu, ça c'est le bonheur. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Ah, je crois que là on n'a pas besoin de grand chose de plus. Se sentir connecté, libre, vivant, dans les éléments. Magnifique. Le bonheur pour moi, c'est quelque chose de simple, la simplicité. Les choses, le bonheur est souvent au creux de la main. Il suffit d'ouvrir les yeux et il est partout en réalité. Et il y a une phrase intéressante qui dit que celui qui court éperdument après le bonheur est condamné à ne pas le trouver. C'est-à-dire que le bonheur est là, au creux de la main. Voilà ce qu'est le bonheur, c'est toutes ces petites choses de la vie simples, la nature, l'amour et l'amitié. Voilà ce qu'est le bonheur pour moi. Salut mon ami. Alors pour moi, la définition du bonheur, c'est de passer le plus de temps possible en famille avec mes enfants, ma femme, et surtout avoir du temps libre de qualité pour pouvoir voyager, faire des activités, et voilà. À bientôt mon ami. Alors pour moi, la définition du bonheur, c'est de passer le plus de moments possible avec ma famille, voir grandir mes enfants, être avec mon mari, peu importe où, peu importe comment. Tant qu'on est ensemble, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mila, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est d'être en famille. Oh, c'est magnifique. Merci, Mila. Le bonheur, c'est pour s'aimer avec les uns et les autres. Mimi, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est ce gros câlin là qui te fait du bien? C'est simple, hein? Un petit câlin et tu es heureuse. Magnifique. Hello. Alors pour moi, le bonheur, c'est tout simplement ça, c'est d'être ici, là, maintenant, de vivre le moment présent pour soi, parce que l'amour de soi, c'est la base de ton bonheur, c'est de profiter de cette nature, du temps qui nous est offert, de vivre pleinement, en pleine conscience et d'être reconnaissant justement de tout ce qu'on peut nous donner au quotidien. Voilà. Pour moi, le bonheur, c'est d'être pleinement investi dans n'importe quelle activité qu'on est en train de faire, qu'on ne sent plus le temps s'écouler. Et alors, Jean, Herman, c'est quoi votre bonheur? Est-ce que ça serait cette petite balle jaune? C'est ça votre bonheur, hein, Jean? Ah, voilà, ça c'est le bonheur pour Jean et Herman, toute la journée. Simplicité, le bonheur, la forêt, les enfants, le chien. Bonjour à tous. La définition du bonheur, elle est très simple pour moi. Ça peut être un endroit comme ça, un parmi tant d'autres qui me remplissent le cœur de joie et de bonheur. C'est passer du temps avec les gens que j'aime. Des choses très simples en fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne quête pour le bonheur. Merci.
Le bonheur, c'est ça. Pour moi, le bonheur, c'est la nature et le sport. Hello Gigi Love, t'as vu, je me suis habillée aux couleurs du soleil aujourd'hui. Tu m'as demandé ce que c'était pour moi le bonheur. Eh bien, je te répondrai que pour moi le bonheur, c'est de me savoir en capacité de respirer, de bouger, de penser, mais surtout de toujours aimer. Je t'embrasse. Pour moi, le bonheur, c'est être simplement dans l'instant présent, ici et maintenant, être à l'écoute de ses ressentis intérieurs, l'inspire, l'expire, être dans le partage de ce que l'on ressent intérieurement, de cet amour qui est au plus profond de nous, qu'on va partager autour de nous, diffuser cette lumière. C'est la simplicité, c'est rigoler, c'est être uni avec le tout, avec ces arbres magnifiques, avec cette nature, avec ces êtres humains, faire un avec tout ce qui nous entoure, l'unité, l'amour, la lumière. Le bonheur est avant tout une expérience intérieure que tu vas vivre au plus profond de toi. Alors écoute tes ressentis et tu vas le sentir au plus profond de toi et alimente cette petite flamme. Le bonheur ne se cherche pas, il se vit de l'intérieur, il s'expérimente. Voilà, j'espère que toutes ces personnes qui se sont exprimées t'ont fait tellement de bien et t'ont illuminé ton petit chemin à travers cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute, de l'avoir regardé. J'espère que cela t'a plu. Tu peux aimer, tu peux partager, tu peux t'abonner à ma chaîne. Merci encore à toi. Et j'ai une dernière question pour toi. Et tu peux t'exprimer et mettre des petits commentaires. Qu'est-ce que le bonheur pour toi ? Qu'est-ce que le bonheur ? Merci à toi, bonne journée. Salut.